Et salut à toi! Alors oui, les semaines se suivent et paf! On a une nouvelle roue à découvrir et franchement, on va pas bouder notre plaisir. D'ailleurs, à ce sujet, je voudrais remercier encore et très fort mes partenaires grâce à qui, semaine après semaine, je peux avoir les nouvelles roues qui arrivent sur le marché pour pouvoir les tester et te les présenter sur la chaîne en toute transparence et en toute liberté. Merci donc encore et toujours à MyeWheel d'avoir fait en sorte que je reçoive cette roue. Et puis, merci aussi à Wizas dont je parle pas assez en vérité. Oui, parce que sans Wizas, je pourrais pas assurer mes roues. Si je les assure pas, je peux pas rouler. Si je peux pas rouler, je peux pas en parler. Et puis, la cerise sur le gâteau, pour toi qui es de l'autre côté de l'écran, c'est le code bonheur, avec lequel chez tous mes partenaires, t'as souvent 5% de réduction sur ton panier. Voilà, cela dit, maintenant, on peut commencer. Et on peut commencer à parler de la S16 de Kingsong. Oui, avec laquelle Kingsong continue sa mue, et sur le modèle de sa S22, qui est sortie déjà il y a 2 ans, nous en propose ici un quasi modèle réduit. La S16, c'est une roue suspendue de 16 pouces avec plein d'options et un format plus réduit et plus léger que la majorité des roues qu'on a vu arriver sur le marché ces dernières années. Beaucoup d'options donc, et quand même, 32,5 kg à l'arrivée. Oui, mais aujourd'hui, est-ce que 32 kg pour une roue, ça en fait pas un poids léger quand on voit à quoi ressemble le reste du marché et les trop souvent 40 kg affichés? Et alors oui, au-delà du poids, quand même, pour la destination en tout cas, j'ai l'impression que Kingsong nous propose un peu une nouveauté. On retourne aux origines de la micromobilité. Fini les performances, fini la vitesse à tout prix. Ici, on est dans le petit, on est dans le pratique. Par contre, oui, pour ce qui est de la couleur, est-ce que vraiment on va en parler? Le orange là, à quel moment ça va s'arrêter, s'il vous plaît? En tout cas, mon plaisir à moi aujourd'hui d'aller découvrir cette roue-là, c'est que loin, très loin des performances et des spécifications techniques de haute volée, cette S16-là pourrait tout à fait être cette petite roue urbaine suspendue qu'on attendait depuis des années. Oui, voilà enfin une roue qui remet la roue électrique au cœur de la micromobilité. Et ça, ça moi, tu le sais, ça me plaît. Maintenant, pour découvrir cette roue-là, reste avec moi et c'est parti! Alors écoute, comme ça, direct, en allant rouler, la première sensation que j'ai, c'est que c'est sympa. Ça fait plaisir de retrouver une roue comme ça, une roue facile, une roue tranquille. Pas une roue forcément où tu vas faire n'importe quoi avec, mais ouais, on est bien quoi. Ça roule, t'as pas envie de rouler très vite. Alors ça, c'est peut-être parce que je sais qu'elle encore, elle en a quand même... Mais c'est ça l'inverse. C'est presque... En fait, je fais attention parce que c'est tellement fluide, tellement doux, que je me laisse aller, quoi. Et je me dis, attends, attention quand même. Mais ouais, tu sais, pour te dire, ça me rappelle un peu la T3. Ce côté zippy, sympa, prolongement. Tu sais, le truc dont je parle souvent. Ah, là, on est bien. Eh ben, écoute, je suis content. Tu vois, c'est une roue qui m'a redonné la banane. Enfin, qui me donne la banane. Qui l'eut cru. Alors il y a un truc qui me vient comme ça, la semaine dernière on découvrait la V14 et on se disait bon, elle est très bien mais c'est vrai que le prix, wouh! Alors que là c'est l'inverse, là on a une roue à 2000 euros. Alors là pour le coup, je peux te dire que pour moitié moins du prix de la Lynx ou même de la V14, je m'amuse pas deux fois moins. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être un peu alambiqué, mais franchement, ça fait plaisir, quoi. Et alors maintenant, faisons le tour du propriétaire. Et la première chose qu'on remarque sur cette roue-là, c'est comme toujours chez Kingsong. En vrai, c'est pareil chez InMotion, mais ça fait produit fini. C'est vrai que, voilà, quand on sort de cette roue du carton, on se dit « Ah, voilà un vrai objet ». Les matériaux, tout ça, tu vois, c'est... Voilà, même s'il y a beaucoup de plastique, hein, on va en reparler, c'est ça aussi qui fait qu'on a un poids un peu léger.
mais bon, moi ça me choque pas, dans la mesure où le tout est bien assemblé. Pour ce qui est des pédales, écoute, elles sont rigolotes, elles sont tout à fait originales et bien texturées. On s'aperçoit que de plus en plus, King Song met un accent sur le design. Ils veulent avoir quelque chose de particulier à proposer. Et j'ai envie de dire qu'ils ont pris le terme pédale en nid d'abeille au pied de la lettre, si tu vois ce que je veux dire. Ils ont fait des nids d'abeilles et c'est dans tous les sens. Bon, c'est assez rigolo à observer. Pour ce qui est du phare, il n'y a rien de vraiment nouveau à signaler. On appuie sur le bouton d'allumage pour les allumer. Et par contre, bah, ça c'est une option que moi j'adore et dont j'ai du mal à me passer, c'est la détection de luminosité. On voit le capteur qui doit se retrouver juste là. Et donc, bah, le soir, quand tu rentres au garage, ça s'allume tout seul sans que tu aies besoin d'y penser. Tiens, regarde, je viens de m'apercevoir de quelque chose. Le détecteur de luminosité, il marche, mais le phare ne s'allume que quand tu roules. Du coup, bah, quand t'arrives au restaurant qui fait sombre, eh bah, tu vas pas éblouir tout le monde. Et ça, franchement, je te dis, c'est une option que moi j'aime beaucoup. On se souvient, comme sur la S22, et on va voir d'ailleurs que le design de cette S16 est très très proche de celui de la S22, on a des phares inclinables, ce qui fait qu'on peut en mettre un qui projette loin et un qui projette plus près. On a parlé du phare avant, parlons du phare arrière. Donc à l'arrêt, il est en mode LED, et quand on avance... Quand on avance, bien malin, celui qui arrivera à dire, on voit les clignotants, à gauche, à droite, mais on n'a pas une vraie lumière rouge comme on voudrait. Maintenant le pneu, écoute, il est nouveau, c'est ni du cross ni du lisse, c'est un peu entre les deux, et jusque là, de ce que j'ai pu tester, c'est franchement une bonne surprise, parce que en effet, on peut passer à peu près partout, et à la fois... Eh ben, la glisse reste fluide. L'écran, c'est l'écran nouvelle génération King Song avec ses gros pixels là, qui donne un bon contraste, c'est vrai, mais peu d'informations. J'ai vu dans l'application qu'on pouvait changer ce qu'on voyait à l'écran. Bon, d'accord, mais n'empêche que quand tu roules, t'as envie d'avoir la vitesse. Et par exemple, aujourd'hui, je fais un peu un test d'autonomie, je voudrais avoir la vitesse, oui. Mais aussi la tension ou le pourcentage de batterie. Le pourcentage de batterie qui est affiché là, il est affiché uniquement quand on est à l'arrêt. Pour ce qui est des ports de charge, ils sont à l'avant, en dessous, encore une fois, comme sur la S22. Comme sur la S22, on a 5 ampères maximum par port de charge, donc une charge maximum non recommandée quand même, enfin à faire occasionnellement, de 10 ampères. On a du GX12 et on a un chargeur livré de 5 ampères. Voilà, c'est pas mal, un chargeur de 5A sur une petite roue comme ça, c'est quand même important à signaler. Pour ce qui est de la suspension maintenant, encore une fois, c'est emprunté et c'est l'héritage de la S22. Moi ici, j'ai un amortisseur à air, mais normalement il sera plutôt à ressort. Et ce sera un ressort de 1650 livres. Et on a les glissières de l'autre côté, avec un débattement sur cette roue-là de 88 mm, ce qui, pour l'usage de cette roue, est largement assez selon moi. Pour la béquille, pareil, c'est emprunté à la S22, hop, et franchement, ils n'avaient aucune raison de changer. Pour ce qui est des poignées, par contre, à l'avant, je ne l'ai jamais vraiment aimé parce que ça respire, cela dit, ça marche bien. Et à l'arrière, eh ben, il n'y a pas de poignée, comme sur la S19. Et on a un petit compartiment à détecteur de pression, je pense, qui fait coupe-circuit. Donc c'est très bien, le truc c'est que par contre il faut bien mettre les doigts sur le bouton coupe-circuit, et parce que si on va chercher plus loin pour avoir une meilleure prise, et bah, le coupe-circuit va pas s'enclencher. Et puis bah, on remarque qu'il est à l'arrière, et c'est vrai que quand on roule, quand on s'arrête, c'est bien, finalement sur la S19, c'était pas mal de l'avoir à l'avant, parce que là, faut aller chercher à l'arrière. Si on regarde en dessous, ici tu peux voir le petit compartiment où tu mets les doigts pour le bouton coupe-circuit, et puis tu vois... des ports USB, un port USB-A et un port USB-C. Mais, assez étonnamment, il n'y a même pas de caoutchouc pour les recouvrir. Bon, pour le trolley, à l'avant, hyper facile d'accès et facile à déployer. Le même que sur la S22, encore une fois. Après, il est à l'avant. Donc, on retournera la roue pour la promener. Bon. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est pas agréable comme ça. À noter qu'il est à 90... Aïe! À noter qu'il est à 86 cm du sol. Et que après la V14 qui était à 110, il faut se dire que 110 c'est là, 86 c'est là. Donc c'est dommage, il faudrait que King Song, je sais pas, ils retrouvent leur âme d'antan avec
avec des trolleys super efficaces quoi. Power pad encore, écoute, moi la mousse me plaît, c'est à peu près la même, enfin je crois que c'est exactement la même, je vois pas pourquoi ils auraient changé, que sur la S19. J'avais rien à dire sur la S19 et là j'ai pas grand chose à ajouter. Et puisque j'y suis, regarde, tu vois les power pads, c'est assez agréable parce que ils sont pré-velcrotés, la coque est pré-velcrotée. Hop, il n'y a qu'à mettre et aller rouler. Et ça, encore une fois, pour un débutant, c'est parfait. Maintenant, pour ce qui est des haut-parleurs, tu sais que moi, j'en fais pas une grosse affaire des haut-parleurs. On va laisser parler monsieur Wrong Way. Bon, ça crache, surtout quand on est dans l'axe, ça crache beaucoup. Voilà. Et quand on s'envoie. Ouais. Bon, je vais y aller avant de me faire virer. Bon, voilà, écoute, ça a le mérite d'exister, c'est un peu comme les LED. Il y a des gens... Attends, on va mettre pause. Merci Adam. Il y a des gens qui adorent. Moi, les LED et... Cela dit, les LED, quand c'est comme ça, quand c'est léger, je trouve que ça donne un petit truc, tu vois. Le haut-parleur, par contre, je sais que tu as même la chemise de nulle part et j'ai honte, quoi. Et enfin, tout ça, ça rentre dans un paquet à 32,5 kg sur la balance. Bon, eh ben oui, c'est toute la question qu'on va être amené à se poser. Est-ce que 32 kg, c'est beaucoup ou c'est encore trop? Ou finalement, on peut s'en contenter pour une roue suspendue avec 1500 Wh de batterie, avec toutes les options que je viens de te citer. Vous savez déjà, mais pour moi, cette roue-là en est la confirmation, c'est que Kingsong a eu raison de ne pas jouer le jeu de l'ultra-performance comme tous les autres fabricants. Et cette roue-là, cette S16, oh regarde les moutons. Salut. Ah, oh, la dégaine. Classe. Bref, pour moi, cette roue-là, oui, c'est la roue qu'on attendait pour les débutants. C'est la roue parfaite pour débuter. Enfin, là... On verra, on reviendra dans la review pour en parler plus avant, mais là, vraiment, en conduisant comme ça, je me dis... On y est, quoi. Alors, juste pour rigoler, enfin non, plus que pour rigoler, mais tu sais, Kingsong, ils ont des haut-parleurs sur leur roue. Et dans l'application, il y a un klaxon, et jusque-là, le klaxon, ça, c'était un petit bip. Mais alors maintenant, c'est... Tiens, regarde, il y a un client, j'ai envie de dire. Regarde. Cela dit, il va croire que je suis une voiture, il va pas se décaler. On va voir. Évidemment, avec les trucs dans les oreilles, il a rien entendu. Enfin, voilà. Alors, pour une découverte, je crois que j'ai pas grand-chose à ajouter. À part qu'à la fin de la journée, quand même, j'ai parcouru 60 km à 24 km/h de moyenne. Et que, pour une première, et malgré le vent et le froid, je me suis franchement... vachement amusé. Oui, vraiment, je vois déjà quelques défauts pointer le bout de leur nez, mais en roulant, vraiment, ouais, c'est tout doux, et ça, tu le sais, ça me plaît. Sans parler, encore une fois, du positionnement dans le marché qui vraiment donne un peu de frais dans notre monde qui s'était, il faut bien l'avouer, un peu perdu depuis quelques années. Mais bref, tout ça, on en reparlera. Mais pour aujourd'hui, il me reste plus qu'à te dire de liker et partager cette vidéo pour m'aider à moi à progresser et puis aussi à t'abonner à la chaîne pour faire grandir notre belle communauté. Enfin, tu sais, et je te le rappelle si tu le sais pas encore, tu peux aller faire un tour sur le site www.bonheursurscène.com. Oui, j'avais l'impression de faire de la promo en le disant. oui, enfin, je fais de la promo pour ce site qui n'a rien de promotionnel. C'est juste un endroit où tu peux trouver plein d'informations et plein de réponses aux questions que tu te pourrais te poser. Voilà, après ça, je te laisse, il te reste plus qu'à aller rouler pour prendre ton pied. Allez.